Matin Sport. Sur les ondes LGGN 3. Vous l'aurez compris, on va parler sport ce matin avec vous, Sidi Ahmed Fethi. Sidi Ahmed, bonjour. Bonjour, Adja. On va parler sport, football. La sélection nationale s'envole aujourd'hui en Guinée équatoriale dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Déjà qualifiés pour la phase finale de cette CAN 2025, les Verts qui ont entamé le stage de préparation depuis hier se déplaceront donc aujourd'hui à Malabo pour y affronter la Guinée équatoriale ce jeudi à 14h et recevoir ensuite pour la première fois dans leur histoire, dans l'histoire de l'ON, surtout à Tizi Ouzou, au stade Hossein El Tahmet, dimanche prochain à 17h, le Libéria. Les joueurs sont arrivés hier donc à Sidi Moussa au centre technique national, à l'instar du revenant Fer Chaibi, Riyad Mahrez, Hamid Abdelli ou encore Yassine Benzia, qu'on va écouter sur ces deux prochaines rencontres. Toujours une fierté de venir ici. On va faire le maximum, Inch'Allah, pour gagner les deux matchs. L'Afrique, c'est toujours difficile. Même si on est déjà qualifié, on va profiter de ces deux matchs pour essayer de peaufiner tous les détails. On est impatients, Inch'Allah, de jouer dans ce beau stade. On a tous vu les photos, les vidéos. Et j'espère qu'on va faire un grand match là-bas. Voilà, il espère faire un grand match là-bas. Il faudra faire tout pour justement pour pouvoir taper dans les yeux du sélectionneur. Il faut savoir également que Ibrahim Maza ne fera pas le déplacement puisque le jeune joueur algérien a été exempt de ce stage puisqu'il a été blessé lors de la dernière rencontre de son club. On passe au handball. À présent, Fethi, cette décision du tribunal arbitral du sport, le TAS, d'annuler les résultats de la Coupe d'Algérie de la saison écoulée. Tout à fait. Et plus précisément, suite à la rencontre, El Bihar Chabab de Borj Bouareid, c'était les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie senior la saison dernière, rappelez-vous. Et la fédération qui avait ordonné à ce que le match soit rejoué, alors que c'était El Bihar qui avait pris le gain de la rencontre. Et c'est ensuite Borj Bouareid qui avait gagné lors du deuxième match rejoué. Le TAS ordonne donc l'annulation de toutes les décisions infondées de la Fédération algérienne de handball et par là même le rétablissement du Handball Club d'El Bihar dans ses droits, permettant ainsi à la compétition de reprendre son cours réglementaire. On rappelle que à l'époque, déjà il y a quelques semaines, le 4 juillet dernier, le TAS avait ordonné le gel de la compétition jusqu'à jugement. Dans le fond, la fédération qui n'avait pas abdiqué a continué dans son mutisme et a fait jouer la compétition notamment. Et donc la fédération qui se trouve dos au mur maintenant, il va falloir voir quelle décision va prendre la fédération. Est-ce qu'ils vont faire rejouer la compétition à partir des quarts de finale de la saison dernière ou sinon vont-ils carrément annuler la compétition pour la saison dernière? On le saura très très vite. Voilà, et on reste avec le football, on revient au football. Ça c'était la petite parenthèse handball et la rencontre en retard USM Harach Olympique de Magrane comptant pour la 8e journée du championnat de Ligue 2 amateur groupe 113 se déroulera ce mardi à 15h au stade du premier nom de Mohamedia à huis clos. Les Harachi qui occupent la deuxième place du classement avec 15 points derrière le leader, le MBRUI 722 points, compte également un autre match en retard qu'ils auront à jouer le mercredi 20 novembre prochain contre l'AS Relop sur le terrain de ce dernier. Quant à l'Olympique de Magrane, il se trouve à la 10e position du classement avec 10 points au compteur. Donc pour l'USM Harach, une bonne occasion pour revenir sur les leaders. La direction de l'AS Mostaganem, première division, a mis un terme aux fonctions de l'entraîneur Chérif Hadjar et les membres de son staff technique. Cette décision prise hier au surlendemain de la défaite à domicile de l'AS Mostaganem face au Chérif Hadjar de WZ2 à 0 intervient aussi quelques jours après que le même coach avait renoncé à sa démission, lui qu'il avait annoncé à l'issue de l'avant-dernière rencontre des Verts et Blancs remportée sur le terrain de l'Olympique d'Herbou 2-0. Hadjar subit une grosse pression de la part des supporters. Nous avons insisté auprès de lui pour qu'il renonce à cette démission qu'il avait annoncée la semaine dernière. C'est ce qu'avait annoncé la direction. Hadjar s'est très vite repris puisqu'il est annoncé comme le nouvel entraîneur de l'USM Khenchla. Il n'est pas resté plus de 24 heures sans club. Chérif Hadjar, l'entraîneur qui donc mènera l'autre formation de Ligue 1 durant le reste de la saison. Bien évidemment, le meneur de jeu du USM Alger
Riles Gnawi, touché au ligament croisé, a été opéré hier lundi à la clinique de la médecine sportive Aspetar à Doha et s'éloignera des terrains pendant 6 mois. C'est ce qu'a annoncé le club dans un communiqué. Le joueur a été opéré avec succès ce lundi et a entamé la physiothérapie avant d'attaquer la rééducation. Gnawi, âgé de 26 ans, s'était blessé le 2 octobre dernier lors de la victoire 2-1 décrochée au stade Nelson Mandela de Bellary face à l'US Biskra. En mise à jour de la première journée du championnat. On rappelle qu'il avait été formé au Paradou et il a rejoint l'USM Alger durant l'intersaison pour un contrat de 3 ans provenance du club égyptien d'El Massari. Pour rappel, l'USMA occupe la 3e place au classement en compagnie du Mouloudia d'Alger et de la JS Kabylie avec un total de 13 points, mais avec un match en moins qu'ils ont à disputer justement face au Mouloudia d'Alger. On parle toujours football avec la Coupe du Monde des clubs. Le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs 2025 aura lieu le 5 décembre prochain à Miami. C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de football. Le tirage qui est programmé à partir de 13h. Heure locale déterminera les 8 groupes de 4 équipes qui disputeront la première phase du tournoi dont la première édition se déroulera du 15 juin au 13 juillet de l'année prochaine dans 12 stades américains. Les 16 clubs ayant fini aux 2 premières places de chaque poule se qualifieront pour la phase à élimination directe des 8e de finale à la finale. Sans match pour la 3e place, tous les qualifiés pour ce tournoi seront connus d'ici là. Il ne manque pour l'heure que le vainqueur de la Copa Libertadores dans la finale 100% brésilienne opposera le 30 novembre prochain l'Atlético Mineiro au Botafogo de football. Le club participant à la Coupe du Monde des clubs donc 2025 sont connus, notamment Chelsea, vainqueur de la dernière de la Ligue des Champions 2021, le Real de Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions 2022. C'est sur ces bases-là que la FIFA a pris les clubs pour la participation. Également Manchester City qui avait gagné la Ligue des Champions 2023, le Bayern de Munich, Paris, l'Inter de Milan, Juventus, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, l'Atlético de Madrid et Salzbourg. Ça c'est pour le classement UEFA. Du côté africain, on retrouvera Al Ahly d'Égypte, l'ES Tunis, Mamelodi Sundowns notamment. Et on poursuit avec la Fédération algérienne Handisport qui tiendra son assemblée générale ordinaire ce jeudi à 14h à l'École nationale supérieure en sciences et technologies du sport. C'est qui sera suivi 10 jours plus tard de l'assemblée élective pour le prochain mandat paralympique 2024-2028. Merci, Sid Ahmed Fethi, pour l'actualité sportive. Il est 7h24 sur les ondes d'Alger. Chaîne 3, la matinale se poursuit jusqu'à 9h.